Bonjour tout le monde, un petit unboxing sur un colis que j'ai reçu hier. Donc en fait, ce colis provient de chez Shine Art Club Store sur AliExpress. J'avais eu une très bonne communication avec le vendeur parce que c'est une toile de la fée Clochette et je voulais savoir en fait si en 30 par 90 elle rendait bien. Donc on va voir ça ensemble. Et donc du coup le vendeur, vu que nous avons communiqué pendant un petit moment ensemble, et ben il m'a offert ceci. Je vais vous le montrer. Une boîte de rangement de 28. C'est vachement sympa de sa part. Je suis vraiment très contente. Franchement sympa. Hein, voilà, super. C'est hyper contente. Donc on va regarder la toile ensemble. Hop, je pose ça là, la toile. Donc la fée Clochette, donc en 30 par 90 cm. Alors, il n'y a plus rien dedans, il n'y a plus rien dedans. Alors, un tout kit de base avec un petit stylet, et là j'ai un multiplaceur de 6, je crois, à peu près, qui est dedans. Une petite pince. Voilà, une petite mousse violette et la barquette et la colle. Voilà, une petite épaisseur, tout simple. Ensuite, la toile. Donc, il y avait un boudin. Et ben, je suis pas déçue du tout. En fait, je vous avoue que j'ai regardé déjà hier pour voir un peu le rendu. 30 par 90, je pensais que ça, j'aurais pas eu assez de détails, mais finalement, elle est vraiment très très belle. Je trouve qu'elle est vraiment sympa. Je sais pas si vous allez tout voir, les petits pompons sur les chaussures. Elle est très 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 jolie, cette fée Clochette. Voilà, 30 par 90. Il y a 40 couleurs. Alors du coup, j'ai les couleurs ici sur le côté, mais il me semble que j'ai également une petite feuille. Ça c'est génial, vraiment belle. Après, il n'y a plus qu'à trouver un cadre. Alors, ce sont donc des diamants ronds. Je vais vous montrer. Je vais pas montrer tous les diamants hein, parce que ça va être très long. Je vais juste essayer d'avoir la feuille de route sans faire trop de bruit. C'est un peu plus difficile. Hein. Alors, là, je fais tout ça là. Couleurs, donc c'est vraiment dans les teints, hein, comme vous pouvez voir, jaune, vert, brun, un tout petit peu de bleu, pas beaucoup, et beaucoup de brun. Alors les sachets, ils sont comme ça. Voilà, le brun par exemple. Elles sont belles les couleurs. Hein. Je vais pas tout vous montrer au niveau des couleurs, mais bon, voilà, ça c'est du jaune clair, beige. Là, j'ai du jaune. Hein. Bien pétant. J'en ai encore là. C'est pas la même référence. Non, c'est pas la même référence en jaune. Non, ça c'est du 725 et ça c'est du 726. Voilà. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de jaune et de brun. Donc je vous conseille vraiment cette boutique. Le vendeur est vraiment disponible. Vous pouvez lui envoyer un petit message. Il vous répond pas aussitôt évidemment, mais dans l'heure vous avez une réponse. Voilà, du bleu. Très joli. Un clair. Du vert évidemment. Donc là je vais avoir en vert pas mal de références hein. Voilà, et ça je pense que ça c'est pour les ailes. Alors j'en ai vu une couleur, ça il me semble sera pour les ailes. Alors ça c'est quoi, ça c'est même pas du 310, j'ai même pas réalisé les 310. Ça c'est un brun foncé. Une fois aussi. 239. Enfin, franchement, c'est bien présenté. C'est pas mal. Donc, 40 couleurs.
beaucoup de verre, hein, voilà, donc encore, encore. Donc je vais vous mettre évidemment en dessous le lien du vendeur. Voilà. Je suis vraiment très contente pour cette petite fée clochette, qui est vraiment sympa, avec des couleurs quand même bien pétantes. Hein. Là, j'ai, voilà, ça c'est du vert. Alors, à mon avis, ça serait sûrement le fond, ça, hein, parce qu'il y a quand même pas mal. J'ai du vert un peu flashy, un peu plus haut. Un petit peu de blanc. Voilà, des couleurs un peu en gros. J'ai du bleu turquoise. Voilà pour cette fée clochette. Donc cette fée clochette dont je l'avais achetée en fait le 10 juillet et je l'ai reçue donc hier, on était le 22 juillet, donc 12 jours pour venir, c'est plutôt pas mal. Donc c'était 30x90 diamant rond. Je l'ai eu au prix de 15,03 € avec la taxe dedans, évidemment. Alors je vous conseille vraiment cette boutique. Ils avaient énormément de Disney, de princesses Disney à peu près dans ce style-là. Je vous mettrai quelques photos aussi des princesses. Voilà. Et ben je vous dis à bientôt et puis bonne soirée.